Yo les gars, c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top de ma forme. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester la pire légende du jeu. Mais là vous allez me dire, genre Caf, qu'est-ce qui t'est arrivé, un mois sans vidéo? T'es passé où? On s'est demandé t'étais passé où. Je vais vous le dire, je vais faire ça en deux temps, trois mouvements les gars, pour vous expliquer ça simplement pour ceux qui n'ont rien à foutre. Simple, école d'ingénieur, arrêter école d'ingénieur, nouvelle orientation, entre temps trouver du travail, changement de vie. Et ensuite, reprendre vidéo tout simplement. Mais voilà, beaucoup de choses qu'on fait que bah, j'ai dû prendre du temps pour moi un petit peu. Donc voilà, je suis de retour enfin pour vous. J'espère que ça va vous plaire. Voilà, le petit training du Bayern Munich, ça fait toujours plaisir. On va essayer en tout cas de reprendre les vidéos avec la patate. Donc n'hésitez pas à poser un like directement si t'es content de mon retour. En tout cas, je suis de retour pour de bon, pour faire du très très sale sur YouTube. Vous verrez que des nouveaux concepts sur la chaîne, ça va arriver en masse. Donc si t'es content, pose un petit like en bas là. Ce serait bien d'atteindre les 1000 likes pour mon retour. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc les gars, aujourd'hui, thème de la vidéo, la meilleure légende. Non, la pire légende. Et voilà, je me suis trompé. Mais vous allez voir un peu, il y a un petit mistake, on va dire, dans la vidéo. Donc, la pire légende du jeu, je l'ai acheté. Il s'agit de Birov. Birov 87 de général. J'ai acheté 150 000 crédits. Je prends la manette, hein, excusez-moi, hein, vidéo en live ou pas. Hein. Ou on est un youtubeur qui fait ses vidéos en live, ou on coupe toutes les 30 secondes pour essayer d'avoir un truc potable. Moi, je fais tout en live. Moi, je suis en baiser, moi. Donc, voilà. Il s'agit de lui, le petit Olivier Birov. Voilà. Qui est pour moi la pire légende du jeu, parce que quand tu regardes au niveau des stats. C'est horrible, c'est horrible, il a une seule stat au-dessus de 83. Et pourtant il vaut 150 000 crédits. T'as capté? Moi je n'ai pas capté, hein, je te le dis. Toujours un problème avec lui. 3 étoiles geste technique en plus. Donc le mec est vraiment nul. Mais là vous avez vu, un match, 7 buts. Bon, il n'était pas très fort l'adversaire, mais quand même, 7 buts. Et je vais essayer de vous montrer que même la pire des légendes, bah au final ça peut être un joueur pas trop dégueu, hein. Bon déjà vous voyez sa carrière, hein, une carrière, il est passé quand même par de gros clubs, hein, notamment le Milan AC qui est à l'époque un top club. Donc on va essayer de faire du sale. Je l'ai mis dans cette équipe. Je mets Birov. Je lui donne toutes les clés du jeu. J'espère qu'il va faire du sale. On va partir en match simple en ligne les mecs. Let's go. Bah c'est toujours aussi long, hein, pour trouver un adversaire. Ça, moi, ça va pas changer. Après un mois d'absence, toujours la même merde, hein. Mais bon, c'est eSport, hein. Qu'est-ce que vous voulez, on peut rien leur demander. Ok, on a trouvé un adversaire et le match sera arbitré par le célèbre Mafiu Mzizi. Vous le connaissez très bien. Et donc on va partir voir son équipe directement. Et c'est une belle hybride. Une très belle hybride, voilà, c'est le genre de team que tu veux, que tu fais pour aller en division 1. Konoplyanka, Lacazette, Hulk, c'est du très très sale. Bah, partout en fait, il y a de très bons joueurs. Mais bon, nous on a le Birov, la pire légende du jeu les mecs. On va réussir à le faire. On va le faire. We can do this. Droit d'auteur. Oh cette... Oh là là, il est dans le futur. Il est dans le futur, Birov. Il est dans le futur. Vous avez vu cette passe? Trop facile. Oh, le ballon pour Birov. Birov, la super légende. Il s'est fait rattraper, le con. Je me suis fait niquer. Je me suis fait niquer. Voilà, il y a un peu beaucoup de lettres pour voir les écrire comme ça, mais je me suis fait bien baiser, vraiment. Quand il s'est arrêté, ça m'a tué mon défenseur. Et ensuite, là, le tir est magnifique. En pleine lucarne, les mecs. Donc voilà. Bravo à lui. Mais il faut pas qu'il oublie que j'ai quand même Birov, la machine. Niveau frappe, il est pas top. Voilà. Niveau beaucoup de choses, il est pas top. Mais frappe, il l'est vraiment pas du tout. Robben. Ouf. Ouf. Ça va très très vite dans cette équipe. Ça va très 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 vite. Très vite. Malheureusement, Birov qui est toujours pas présent. La tête de Blaise Matuidi, non, c'est pour Thomas Müller qui l'a quand même pour Robben. Robben, la frappe et but. But. Oh là là, ce reflet sur la tête, tel Jésus. Oh là là, ce but, l'égalisation de Arjen Robben, le bon vieux Arjen Robben. J'ai mis les couleurs aujourd'hui d'Arjen et je pense que ça lui fait plaisir. Une action 100% munichoise, hein, avec Robben et Müller qui marquent. Un but partout, let's go. Oh, cette passe elle est magnifique. Pour Birov. Oh, tu tentes le lob, Birov. Oh, je t'aime. J'en peux plus, les mecs. J'en peux plus. Prochaine vidéo, je teste la meilleure des légendes. J'en peux plus de jouer avec des joueurs nuls. Hein, vraiment. Sans déconner. Oh, ce but. Oh, ce but que je me prends. Oh, la cassette, il est en train de montrer à Birov ce que c'est qu'un vrai attaquant, en fait. Je suis pas sûr qu'on va réussir à gagner avec la pire légende.
Je suis vraiment pas sûr. En tout cas, en essayant de jouer sur lui, hein, j'essaye un petit peu de jouer avec Birov pour voir ce qu'il donne, hein, les gars, je veux pas vous mentir. Quand j'ai la balle avec Robben, j'essaie quand même de la remettre à Birov, hein, parce que Robben, il a peut-être un petit peu plus de talent que Birov. Mais bon, je dis ça, je dis rien, bien sûr, hein, c'est un mentir. Mais voilà. Oh, Pogba. Oh, Pogba! Pogboum! Il égalise à 45ème minute. Putain, Pogboum, il est présent. Oh là, l'action. Et l'action, c'est une action 100% Pogba. La Matuidi qui la met à Pogba. Et là, ensuite, là, c'est le talent. Le talent, le sculpteur, la frappe croisée, pied gauche, qui va en petit filet droit. C'est ça qu'on aime, les mecs. Et nous sommes toujours sans nouvelles du petit Birov, toujours porté disparu sur le terrain. Toujours aucun but pour lui, aucune passe décisive. Il est invisible. Il est invisible, c'est l'invisibilité. Oh là là, sur la casette, je peux pas le tenir. Je peux pas le tenir sur la casette, il va trop vite, il va trop vite. David Luiz, il est... Comme ça, voilà, à peu près comme ça, voilà. Il va trop vite, regardez-moi ça. Là, David Luiz... Comme ça, voilà. Je peux pas le tenir. Et quand en face, t'as... Hey, Birov, la machine, la bête, Birov, 1m91. Ça marche pas forcément. Oh, il est bien lancé. Marco, Marco, vas-y Marco, vas-y Marco. Tu vas à base de passement de jeu, la faute, pénalty. Mais oui, pénalty, peut-être je vais faire tirer Birov. Je suis obligé, obligé. Birov, allez, non, 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 c'est pas, t'es pas Marco, c'est pas Marco qui tire. C'est le poteau. Il a 66 en pénalty. Oh, il est bien tiré celui-là. Lucarne gauche. Yes, 66 ou pas, on marque. Premier but de Birov. Ah putain, son premier but dans ce match. 3-3. Les gars, Birov qui nous relance grâce à un penalty. Il a 66 en penalty pour une légende, les mecs, pour une légende. À un moment, faut arrêter. Au moins, il est bien tiré le penalty, mais bon, sans vouloir me vanter, je pense que c'est moi qui l'ai bien tiré et c'est pas lui qui l'a bien mis, quoi. Oh, magnifique. Magnifique. La passe là, elle est magnifique. Bon, je me prends un but, certes, et je vais essayer de dévier le sujet pour pas que... Voilà. Mais la passe est magnifique, elle est magistrale. La Hulk qui fait un truc magnifique et la passe, bah là, je peux rien faire. Thiago Silva peut rien faire et ensuite, belle frappe. Bah voilà, ça fait 4-3. Dans ce match, ça va très très vite hein, quand même, hein, on peut se le dire. Oh, Birov, peut-être la passe décisive pour Thomas. L'air. Oh là 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 là. Mais cette passe de Birov, bon, j'avoue, elle sert à rien. Mais c'est une passe décisive. La passe dans l'intervalle, ouais, un peu ralentie quand même. Et là, la frappe, surtout de Müller, pied gauche, bien détendu. Et là, les frappes que je mets dans ce match, c'est pas Charlie, les mecs. C'est pas Charlie. Oui. Non, non, bah voilà, voilà. Voilà, voilà. Tout part tout le temps de Birov. Birov est nul. Nul. N-U-L. En plus, ça lag, voilà. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Voilà, là on va la mettre à Birov en espérant qu'il nous fasse un dernier éclair de génie. Hein, voilà, mais sans réelle ambition. Hein, pas se mentir. Bah voilà, défaite avec le grand, le magique Birov, malheureusement. Voilà, 5 buts à 4. Donc quand même, on aura vu pas mal de buts. Ça aurait été un bon match. On aura surtout vu un très bon Arjen Robben. J'espère que ce petit genre de vidéo où je teste le pire joueur de ça, le meilleur, tac tac tac, vous fera plaisir. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu quand même. Birov, j'ai mis 150 000 crédits dedans pour un joueur que je ne pourrais pas revendre. Donc j'espère que ça vous aura fait kiffer. Donc les mecs, voilà, Robben, Birov, Pogba et Müller ont marqué. Aucun but de Marco, mais en tout cas, homme du match de notre équipe, c'est Birov. Je l'aurais pas pensé comme ça, hein. Je vais pas te mentir, pour moi c'est pas vraiment lui. Mais IL a décidé, on va leur laisser le bénéfice du doute. Donc voilà, victoire 5 buts à 4 avec le petit Birov, les mecs. C'était Joe, like si t'as aimé, bye.